deux équipes qui jouent et une équipe qui fait la PMA. C'est ça. Si tu veux, on peut le caler comme ça. Sinon, on fait. Il y a deux joueuses de chaque équipe qui sortent à chaque fois pour faire le travail de PMA. Allez, Serge, de ce matin, de cet après-midi, on va commencer avec Olive sur 15 minutes de proprio. Ok. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Le micro, c'est pour écouter tout ce que vous dites et comme ça, je le sais maintenant. Tu vois? Regardez-le bien, quand vous allez dire des conneries, je l'aurai tout le temps. Voilà, je le dis, tout le temps, je l'aurai. Alors, proprio avec Olive, une fois qu'on a fini, on va faire travail technique et jeu. Alors, vous prendrez le but après, vous le mettrez au milieu de terrain. D'accord? Ça sera des 6-6. Alors, on est 16, mais ça sera des 6-6 et chaque fois, il y a toujours deux joueuses qui sortiront et qui feront un travail de PMA à côté. Sachant que les 6-6, vous voyez, il y a deux surfaces, orange, celle-là et celle-là, c'est que vous pouvez défendre à l'extérieur de la surface. Interne de la surface, interdiction de défendre. D'accord? Pour essayer mais de ne pas faire entrer les joueuses au maximum de la surface. Quand on fait entrer les joueuses à la surface, le danger, c'est faire ça. Qu'est-ce que t'as ressenti? J'étais contente. De la joie. Mais quand Mario me saute dessus, on se calmer là. Ah oui, c'était victoire de la Ligue des Champions. Hein. Pourquoi t'as pas fait? Contente d'être là. Ouais, très heureuse d'être avec toi et de partager cette journée. Un petit mot pour ta capitaine? Que dire? Stop. Hein? C'est une obligation. On a attendu son retour, elle est de retour et. New player, hein. Et vous êtes contente? Très contente, très heureuse. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe? J'adore. Comme disent les pompiers, je les camèle. Je les camèle. Ça veut dire je les aime. Pensez quoi de cette saison? Vos objectifs? Les objectifs se dessinent match après match, même si c'est une parole un peu bateau, mais c'est vrai que nous on joue les matchs pour gagner. Alors l'objectif, il viendra tout seul. Si on gagne tous les matchs, ou le maximum de matchs, je pense qu'on sera en haut. D'accord, je vous remercie. Allez, j'en veux plus. Mais quelle heure ! Cassez l'objectif. Elisa, comment vous sentez à deux jours de ce match? Bah écoute, on se sent bien, on prépare le match comme il faut. Là, on va s'entraîner dans 5-10 minutes, donc on se prépare à fond et on verra comment ça se passe samedi. Bon, ici, c'est la salle de vie, les vestiaires. Ambiance dans le vestiaire? Ouais, il y a une bonne ambiance. Bon, là, il y a la moitié des filles qui sont en salle, elles font le travail de prévention le matin. Mais non, sinon, ouais, il y a une bonne ambiance. Il y a deux gros matchs du coup qui s'enchaînent, il y a PFC et PSG. Ouais, ça va être deux gros matchs, mais je pense qu'on est prêtes et qu'on a l'équipe pour aller faire quelque chose, donc on verra ce qu'on fait. Tu veux même allemand ça, non? Allemand, anglais, tu sais quoi? Une vidéo. Alors, la séance d'aujourd'hui, ça va être, on va s'échauffer d'abord libre, après on fera échauffement au poste. Il y a les défenseurs, les attaquants comme nous, d'accord, certainement. Always mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the top. Ok, Laura, à toi. Vous pouvez décrocher un peu plus, hein, Iva. Là,
Nico, vous pouvez aussi hein, décrocher. Les plots, c'est juste au départ. La mobilité, oui, anticipez pas trop, pas trop. Oui, réduit. Oui. Oui, encore. Oui, encore. Dispo, bien joué. On joue.